Un homme, une femme, âgés de 20 ans à peine, et ses sourires malicieux. Vous devez être les jumeaux Fry. Et vous êtes ? Henry Green, pour vous servir. J'ai été navré d'apprendre le décès de votre père. Merci. Que peux-tu nous dire au sujet de Crawford Starrick ? Cette demande émane sans doute du Conseil. Il faut libérer Londres. Ses habitants méritent un meilleur avenir. Le ciel soit loué, le Conseil a entendu raison et vous envoie nous aider. Oui. Le ciel soit loué. Malheureusement, j'ai de bien mauvaises nouvelles. Starrick est aux commandes de l'organisation la plus sophistiquée que les Templiers aient créée dans tout l'Occident. Chaque classe, chaque quartier, chaque bande, chaque usine. Toute la ville de Londres est sous son emprise. J'ai toujours voulu être un chef de bande. Dur, mais juste. Nous aurons un uniforme. Je réunirai autour de moi tous les laissés pour compte, sous un même nom. Je le sais, Evie. Nous allons les rallier à notre cause. Oh, comme la fois où tu as rallié tous les joueurs de la taverne dans le fleuve. C'était différent, ils m'avaient battu au whist. Tout est clair maintenant. Nous nous appellerons les Rooks. Tu te vois à la tête d'une bande? Tu as une meilleure idée? Trouver le fragment d'Eden. Oh. Eh bien, permettez-moi de vous guider. Quand vous voudrez. Voici le plus haut point de Whitechapel. Voici le plus haut point de Whitechapel. Regardez ce que Starrick a fait de cette ville. Whitechapel est rongée par le crime. Les enfants travaillent, malgré les lois. Une bande, appelée les Blighters, fait régner la terreur. Et les Templiers tirent les ficelles dans l'ombre. Comme dans chaque quartier, nous devons rendre cette ville aux gens qui l'ont bâtie de leurs mains. Nous libérerons Londres de Starrick. Je vous donne ma parole. Et moi, mes Rooks. Miss Fry, votre passion me réchauffe le cœur. Venez. Retournons à mon échoppe. J'ai beaucoup de choses à vous dire.